Bonjour à tous et bienvenue sur NBA 2K20. Comme vous l'avez peut-être compris, l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Évidemment, on va le dire, le titre, avec une équipe choisie. Et pour ce faire, il y a 3 saisons maximum. Une, deux, trois. Il n'y aura pas de ouais, on tente la. Non, non, il n'y a pas de quatrième chance. 3 saisons pour aller chercher les meilleurs résultats possibles, dont évidemment un titre. Et pour commencer, ce sera, vous l'avez vu en haut à droite, les Philadelphie Sixers. Donc c'est pas la pire équipe, mais en même temps, est-ce que c'est la mieux placée? Pas tellement, tu vois. Alors évidemment, en vrai, c'est une équipe avec des gros joueurs qui jouent pas bien. Et donc ça prend pas. Mais dans un jeu, t'as quand même des grosses individualités, pardon, donc. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je précise que je ne vais pas jouer les matchs, ce sera de la pure simulation. Donc en fait, la saison va passer assez vite. Par contre, voilà, si on me propose des transferts, si je dois faire des modifications dans l'effectif, je vais le faire. Je vais donc simuler les matchs, par exemple, voilà, je vais simuler peut-être 2 semaines par 2 semaines, etc. Je checkerai les résultats régulièrement. Voilà, pour faire donc une saison assez rapide. Et donc, comme je l'ai dit, 3 saisons pour avoir les meilleurs résultats possibles. Philadelphia Sixers. C'est parti! Donc voilà le calendrier. Boston en antenne nationale dès la première journée. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est déjà d'aller voir l'effectif, puisque il y aura peut-être des transferts à devoir effectuer. Pourquoi? Déjà, t'as des mecs blessés. Bon, bref, non, là, c'est par général, on va prendre par poste. Tu as donc Ben Simmons et Raul Neto. 73, c'est pas ouf déjà, voilà, ça. Bon. En arrière, tu as Alec Burks et Josh Richardson. Ouais. Ce qui est assez correct, les deux peuvent jouer meneur en plus, donc ça c'est assez intéressant. Que là, tu vois, les deux meneurs, ils peuvent pas jouer arrière. Bon, bref. Shaq Milton, qui est pas mal du tout, 23 piges. Alors, pareil, ce qui va être intéressant là, de se dire, on a que 3 saisons, c'est que par exemple, les mecs jeunes que tu peux développer, bah en fait, il faut quand même qu'ils soient un minimum fort. Bon, là, Shaq Milton, il a quand même 77 de moyenne, ça va. Mais le truc, c'est que tu vois, comme il n'y a que 3 saisons, tu peux pas te dire, ouais, mais lui, dans 4 ans, 5 ans, il sera ultra fort et tout. Ouais, mais là, il faut qu'il soit fort dans les 3 premières saisons. Matisse Thybulle, bien sûr. Donc, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière et tous les arrières peuvent jouer meneur. Donc, ça, par contre, c'est ultra bien. Zaire Smith, putain, mais ils ont un nombre de mecs. Ah, d'accord, par contre, il est blessé toute la saison. Douleur au genou droit, d'accord. Waouh. Ok. Et il y a un mec de G-League, très très nul. Aussi jouer ailier, bon, okay. Donc Tobias Harris 85 de moyenne, donc ailier évidemment. Derrière, t'as Korkmaz 22 ans, 76, c'est parfait. Glenn Robinson 3, parfait. Voilà, par contre, Tobias Harris qui peut aussi jouer ailier fort. Les autres arrière, je paye pas ses 10 ans non plus. Brockov, bon, je sais pas qui c'est. G-League, problème personnel, saison. Mais attends, mais c'est quoi ces mecs qui sont. Non, mais problème personnel, ça veut dire quoi? Saison. Non, mais putain, bon, bref. Alors Ford, alors 82 et en plus 33 piges. Ah oh putain, le contraste, 28 millions de salaire à l'année, alors Ford. Est-ce que vous voyez le premier chantier auquel je vais m'attaquer ou pas? En plus, soi-disant ailier Ford, non mais attends, si à 33 ans, alors Ford, c'est un ailier fort en NBA, s'il te plaît, je rigole. Bon, Jojo Embiid, évidemment, et Kylo Quinn derrière, et donc t'as Norvel Pelier qui est pas du tout bon. Ah mais attends, mais j'avais pas vu Ben Simmons saison? Oh non! Mais pas saison! On va commencer tout de suite par rechercher un transfert. Et donc, qui est-ce que je dégage? Je me suis quand même donné 3 ans. Ouh, Jrue Holiday. 83, Jrue Holiday! Jrue Holiday, attention, hein! Merde, j'ai dit combien là en organisation B+, ouais. Et Jrue Holiday, mais bon, pareil, il a un salaire de porc, quoi. Mais sachant que j'ai pas Ben Simmons, c'est pas mal. Mais du coup, enfin, je récupère rien en ailier fort. C'est ça le problème. Par contre, là, je perds Alec Burks, donc je m'en tape un peu. Oh putain, Blake Griffin. Oh non. Il faut savoir que j'adore Blake Griffin. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Ouh là là, Danilo Gallinari. Eh, tu sais qu'on rigole, mais. Ouh, Rui Hachimura? Tu sais que dans 3 ans, Rui Hachimura, il peut monter aussi. Mais attention, et cette offre-là? Gallinari, c'est-à-dire que 22 millions. Bon, par contre, niveau salaire, André Robinson, il compense de ouf. Là,
Là, je perds. En fait, je donne 29 millions de salaire et j'en récupère 34 là. Eh, je vais la tenter, hein. Je m'en fous, je la tente. Je récupère Robertson avec un salaire dégueu, mais c'est pas grave, hein. En plus, je peux le faire, mais je le fais. Mais je le fais. Et voilà là! Le premier transfert pour les Philadelphia Sixers. Alors, Mavericks. Ouais, je vais prendre Justin Jackson, il a 24 ans. Voilà, bon, shoot, il est pas incroyable, mais pas dégueu, c'est pas un défenseur. Après, qu'il est athlétique, ça a potentiel un peu. Vas-y, par contre, je perds un choix du second tour, tant pis, mais j'ai. Ajouter l'exception et continuer. Oui. Oui, voilà. Donc, je récupère 3 millions de salaire. Donc, voilà, c'est pas mal. Et un mec qui se casse à la fin de l'année. Donc, écoute, je vais prendre. Ajouter l'exception, oui. Voilà. Parfait. Oh, Derrick Rose et Blake Griffin. Alors, par contre, je me fais niquer niveau salaire. Surtout qu'ils sont tous là 2 ans, donc là clairement ça m'aide pas. Donc je vais pas prendre, mais Derrick Rose. Oh, DeMar DeRozan. Waouh! Et cette offre-là, elle est monstrueuse. Pourquoi? Ah, tu sais quoi, je vais essayer de négocier. Si j'enlève Shake Milton. Ne nous intéresse pas. Ouais, donc ils veulent vraiment Shake Milton. On va essayer de leur foutre des choix un petit peu. Tiens, le deuxième du second tour là de cette année, non, ça vous intéresse pas? Jakob Poeltl contre Kyle O'Quinn? Merde, j'aurais dû dire oui, je suis con. Attends. Oui, ils me le remettent. Parce qu'attends, Jakob Poeltl là. Mais Kyle O'Quinn? Ouais, parce qu'il a pas de salaire, donc je me fais enculer un peu. Mais Jakob Poeltl, de toute façon, et Kyle O'Quinn, c'est pareil. La fin de l'année, ils sont plus là. Kyle O'Quinn, précision à mi-distance, il est vraiment bon. Il y a rebond. C'est tout. Jakob Poeltl, par contre, il fait 2m16. Pas trop dégueu à mi-distance, il a du rebond, défense, il est pas si dégueu, 78. Moi je pense que c'est bien, par contre je perds deuxième tour. Mais je récupère, ah je crois que je vais le prendre. Et voilà, putain! Ouais, on va essayer comme ça, on va tourner à 10 pour l'instant. Donc Korkmaz, il joue plus que Milton. Et il y a, ah, y a, putain, j'ai pas de meneur, ouais, mais j'ai du meneur en secondaire. Oh, ouais, j'ai que du meneur en secondaire. Hein. Ouais, mais j'ai pas le choix. Hein. Ouais, parce que Tibull il peut jouer ailier. Ah, mais tant pis, hein, ils vont se démerder. Hein. Ils vont se dé... Putain, l'ailier fort, j'ai que 40 minutes. Bon, ok, tant pis. Eh bien, c'est parti maintenant. Il faut tester ce que ça donne. On part sur une simulation. Et bah, du premier mois. Tiens, je vais aller jusqu'au 24 novembre carrément. Ça perd contre Portland. Putain, mais ça prend 24 points contre Portland. Oui, ça va les Suns. Ah, entorse vide, j'ai cru ligament croisé, j'allais pleurer, heureusement. Une semaine ou deux, Korkmaz. Bon, c'est la rotation quelle, il joue, et puis c'est tout, il me saoule pas. Voilà, donc là, je viens de simuler, vous voyez, quasiment un mois, on peut le dire, même un mois, un petit peu plus. On va voir où on en est. On en est à info. Non, est-ce qu'on peut voir? Où est-ce qu'on voit? Ah, c'est là, statut équipe. Donc, on est sixième à l'Est. Pourquoi pas, égalité avec le cinquième qui est Atlanta. On est en 9-7. Sachant que le Toronto est en 8-7 et qu'après, tu vois, t'as déjà les Pistons en 7-9. De toute façon, je pense que si on se qualifie pas quand même pour les playoffs, c'est grave. J'aimerais bien être quand même. Bah, en fait, quand tu vois que. Par contre, c'est sérieux, il y a les Hornets 4e et les Cavs 3e! Je me chie dessus! Donc, pour l'instant, l'équipe, c'est quand même vraiment pas mal, je trouve. Bon, il n'y a eu qu'un petit blessé Korkmaz, mais ça n'a pas eu de problème. Donc, ben voilà, tu vois, à domicile, on est en 6-1, à l'extérieur, on est en 3-6, quoi. Dans, ah oui, c'est classement, non. Stade saison, oui, voilà. Stade des joueurs. Alors, voilà. Donc, en termes de points, on se retrouve avec Embiid qui est en 24 points par match. Donc là, Embiid, il nous sort un 24 points, quasi 10 rebonds. Ah non, 13 rebonds! Ah oui, c'était rebond défensif. Oh! Donc, attends, donc en fait, Joel Embiid, là, il est en 24-13. Avec 2,6 passes, 1,3 interceptions et 3 contres par match. Oh! Mais il est monstrueux! Il est monstrueux! DeMar DeRozan, il est en quoi? Et tu sais que DeMar DeRozan, il est en 20 points. 5 rebonds, 5 passes. Une interception. Aucun contre le mec. Hein. Il n'y a même pas 0,1. Il n'y a même pas une fois. Il a fait. Oh, DeMar DeRozan touche la balle. Non, il s'en bat les couilles. Gallinari est en 19-5-1. Ouais, 0,6 interceptions. Mais c'est défensivement, on le sent, tu vois, il n'y a pas de contre. J'ai l'impression, à part Embiid, il n'y a pas de contreur. Donc pour les points, voilà, après, t'as Korkmaz qui a quasi 10, Richardson quasi 10, Poeltl en met 8. Ouais. Franchement, c'est pas catastrophique, il n'y a pas Richardson, peut-être qu'il met pas tellement de points, quasi 10. Bon, après, t'as quand même 3 mecs à 20 points, quoi. On va dire Gallinari, il est à 20, il a 19-9, ça va, pas chipoter, les gars, arrêtez.
Ensuite, donc on va passer sur les rebonds tout court. Donc Embiid domine et Poeltl en prend quand même 6-8, c'est pas mal. Gallinari 5-8, ouais, 5 pour DeRozan, c'est pas mal pour un ailier. On part sur de la passe avec. Par contre, tu vois, niveau passeur, DeRozan est à 5-1. C'est plutôt DeRozan qui a l'air de faire le jeu. Après, et au niveau des interceptions, ouais, bah, Tibull, voilà, un 6. Richardson a un 5. Embiid 1-3, une pour DeRozan, c'est pas mal. Au niveau des contres, c'est Embiid. Tibull est presque à 1, donc c'est pas mal pour le défenseur qu'il est. On bat les Cavs. Attends, si on bat Toronto, je mets stop et je compte. C'est bon, stop. Stop, 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 les gars. Stop, stop. Alors, je viens d'arrêter la simulation. Vous allez me dire pourquoi, alors que j'ai pas fait un mois. Eh bien, parce que statut équipe, nous sommes en. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà, série, vous voyez, au milieu, il y a victoire, défaite, 17-7, juste en dessous, il y a série, victoire, 11 d'affilée, on est en 11 victoires d'affilée. Comme vous le voyez sur le classement à gauche, il n'y a que les Celtics de Boston qui font mieux que nous, deuxième, 17-7. Là, c'est incroyable ce qui se passe. Comme vous le voyez, il y a côté droit, on voit le 5 majeur, pardon, plus le 6e homme, donc avec le petit état de forme de Josh Richardson qui monte à 80, DeMar DeRozan monte à 87, et Matisse Thybulle monte à 82, et le petit Jakob Poeltl en 6e homme est à 79. L'équipe vit bien, le groupe vit bien exactement. De voir s'il y a des choses à récupérer, je perds contre OKC, c'est la merde. Putain, encore une antenne nationale, et cette fois c'est contre Boston, chez nous, à Philly, et c'est une défaite. Dommage. Et on termine cette simulation actuelle avec Dallas qu'on bat. Très très bien. Donc voilà où on en est. On arrête la simulation. Et on en est en 24-16 qui fait exactement 40 matchs. Donc on est quasi à la moitié du championnat. Enfin de la saison, pardon. Cinquième, mais derrière Cleveland. Mais ils sont cinglés, Cleveland ou quoi? Ah, le vote All-Star, c'est vrai. Alors qui y a, tiens? Dans la conférence Est. Derrick Rose, Victor Oladipo, donc Joel Embiid, DeMar DeRozan. Donc j'ai deux joueurs en. J'ai deux joueurs qualifiés pour l'All-Star Game. Pour ce trophée, on est sur du LeBron devant Giannis, devant Luka Doncic, devant Kawhi et Joel Embiid, cinquième. Oh, Joel Embiid dans la course, bien joué, Jojo. Hop, c'est parti. Gallinari, une à deux semaines, mais il peut rester jouer. Non, on est obligé de l'enlever, d'accord, c'est ma première vraie blessure. Oui, de 1 point! Clutch! Et ça fait 6 victoires là! Et on perd aux Cavs en antenne nationale, mais c'est un sketch. Merci, heureusement que les Knicks sont là. Vraiment cette phrase, heureusement que les Knicks sont là. C'est aujourd'hui la date de fin de contrat, voulez-vous m'interrompre? Bah oui, puisque je me rappelle plus, mais. Oui, c'est la prolongation de contrat. DeMar DeRozan, il veut se tester en agent libre. Gallinari ne re-signera pas. Poeltl est inéligible. Anderson, Robertson en test à elle. Pareil pour. En fait, ils veulent tous se barrer en agent libre. Bah écoute, cassez-vous. Puisque personne ne veut prolonger. Allez vous faire voir. Faut vraiment absolument qu'on ait l'avantage du terrain. Parce qu'à la maison, c'est fou ce qu'on fait. Victoire Washington. Et là, on est en train de faire un trip de fin. Oh là 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 là! Road trip de fin en battant Orlando. Et ça va, Milwaukee! Oh, il y a l'enchaînement, allez, l'enchaînement Spurs, Nouvelle-Orléans. L'enchaînement Spurs, Nouvelle-Orléans. L'enchaînement Spurs, Nouvelle-Orléans, ça va les Spurs! Et ça perd contre la Nouvelle-Orléans, dur. Putain, il y avait une bonne série là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. Playoff! MVP de la saison, vous le voyez, c'est Giannis Antetokounmpo en 28, 13, 5, 1,5 interception, 1,9 contre. Donc, comme en vrai, ça n'a pas changé. Le rookie de l'année, c'est Ja Morant. Comme en vrai, ça n'a pas changé. Ah, putain, il a 24 points le bâtard. 24 points s'il passe. Non, mais sans deck. Ça va. Meilleur sixième homme, Youssouf Nourkitch. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Meilleur défenseur. Ah, Kawhi Leonard. Donc là, on n'est pas du tout comment. Hey, t'as vu les stats qu'il a encore? 2,4 interceptions et un contre. Putain. Meilleur défenseur. Donc, ouais, ok. Ok, meilleure progression, Bam Adebayo, ouais, d'accord. Coach de l'année, Mike Budenholzer qui est premier de la conf en faisant 64-18. Ah voilà, l'équipe All-NBA avec Doncic, Curry, Giannis, LeBron et Embiid. Yes, mon Embiid, il est dans
cette équipe-là. En deuxième équipe all-defensive, t'as Bledsoe, Oladipo, Davis, LeBron et Embiid, donc qui est quand même dans la deuxième équipe all-defensive chez moi et qui est dans la première équipe all-NBA. Pas mal. On continue et voici les classements. Milwaukee premier affrontera Orlando. Boston deuxième affronte Miami. Je suis troisième. Philly et on va affronter Cleveland. Sachant qu'on a perdu plus de fois qu'on a gagné contre Cleveland en saison régulière. Et ça me fait très très peur. Et Toronto-Atlanta. De l'autre côté, il y aura Clippers-Nouvelle-Orléans, Lakers-Denver, Portland-Memphis et Golden State-Dallas. C'est parti. Alors là, on va simuler match par match. Regardez comment on va faire avec Simcast. Une simulation très rapide, évidemment. On va simuler le match en direct. Ok, oui. On prend le lead sur la fin. Et ça gagne de 10 points. Qui me fait un gros match, voilà, comme ça on peut regarder vraiment les stats des mecs et en playoff je trouve que c'est important avec du Jojo Embiid en 25-12, 4 contres monstrueux, Korkmaz en 21 points, Richardson en met 16, il y a aussi 3 interceptions, 3 contres, c'est monstrueux. DeRozan est en 15, on peut voir en plus si vous regardez un petit peu plus loin dans la ligne, on peut voir les pourcentages, il est à 5 sur 14 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Voilà. Gallinari est en 12-5. Ouais. Matisse Thybulle, bon, on sait. Un petit contre. C'est ce qui compte. Kilchrist, 4 passes quand même. Pas mal du tout. Robertson, bon, il met son petit contre. 5 points, c'est bien. Jakob Poeltl est en 9 rebonds. C'est pas trop mal. Shake Milton, il sort 3 interceptions. Donc une petite passe. J'attends un peu plus de passes de lui. Côté des Cavs, on n'a pas vu l'équipe finalement. Kevin Love, Kevin Porter Jr. qui est en 76 de moyenne. Kevin Love, il est en 82. Okay. C'est vrai qu'ils ont Drummond hein, quand même. C'est Osman. Ouais, Larry Nance. Ouais, ils ont de la raquette. Ouais, Quinn Sexton, déjà à 82. Hein. Tu vois, il y a quand même du monde. Ils ont pris Jordan Bell. Darius Garland qui est blessé. 75, il est blessé, Darius Garland. Donc voilà, le premier match, 1-0 pour nous. Et on va voir ce qui se passe un peu partout. 1-0 Milwaukee, 1-0 Toronto, d'accord. On continue avec ce deuxième match, toujours chez nous, à Philly. On domine. Non, on se fait avoir sur la fin. Putain, pourquoi là? Joel Embiid. Et aussi, si vous regardez tout à la fin de la ligne, on peut voir le plus-moins. Ou par exemple, bah, Embiid était en plus 3 sur le terrain, tandis que Richardson est en moins 3, ce petit con, comme Korkmaz est en moins 11. Donc voilà. 25-14 Embiid avec 3 contres. Je pense que c'est pas lui le problème de l'équipe Richardson. Par contre, 3 interceptions encore. 19 points, c'est pas mal. Par contre, Embiid, il a fait 6 fautes. Et il s'est fait sortir. Voilà aussi pourquoi faut faire gaffe. Tu vois. Les fautes, c'est l'avant-dernier. Hein. FTS. Korkmaz en a fait 5. Dommage parce que Korkmaz, il met des points aussi. Hein. Korkmaz, il met vraiment des points. Hein. Et qui est chaud chez eux, Colin Sexton qui met 28 points et Garland 22. Ouais. Leur arrière-garde est très très chiante. Surtout que j'ai pas Ben Simmons pour aller les faire chier, tu vois. Là j'aurais Ben Simmons, ça pourrait. Putain, finalement, erreur à l'Est. Hein. Milwaukee mène 2-0, mais Toronto-Atlanta 1-1. Boston-Miami 1-1. Et de l'autre côté, c'est 1-1 partout, sauf les Lakers qui mènent 2-0. Hein. C'est vraiment c'est intéressant. Allez, on continue, mais cette fois on n'a plus l'avantage du terrain. Et ça nous empêche pas de gagner tranquillement à l'extérieur. 2-1 avec un Embiid en 33-11. Bizarrement, il se fait qu'une faute. Pas de souci. Et Poeltl, encore 18 points. Énorme là. Gallinari 17. Alors je check souvent, vous allez voir la fiche comme ça pour regarder le général des joueurs à droite là. Parce que quand ils font des bons matchs, souvent ça monte. Tu vois, Embiid, voilà, 92 alors qu'il était à 91. Donc je check parce que souvent, voilà, 88 DeRozan alors qu'il est à 87. Ça veut dire que le mec est très très chaud en ce moment. Pareil, Korkmaz, voilà, 78 alors qu'il est à 77. Richardson qui monte à 81, c'est très très bon. Il n'y a pas trois interceptions cette fois, c'est dommage. Voilà, Shake Milton, c'est ça que j'attends un peu plus. 7 points de rebond, 4 passes, 2 interceptions. Et même un contre. Il est partout. Kilchrist est pas mal non plus. Matisse Thybulle, il est là. Bon, il fait sa petite interception, son petit contre. C'est plutôt pas mal. On mène 2-1. Simulek Simcast des autres côtés. Milwaukee mène 3-0 et les Lakers mènent 3-0. Et partout, c'est du 2-1 très serré. Hein. Donc c'est assez intéressant. Allez, toujours à l'extérieur. On va à Cleveland. Oh, ça domine large. Ça domine. Oh lolo, la tôle. La tôle de 33, de 34 points. Et oh là là, regardez les stats. Et Embiid, il fait 6 fautes et DeRozan aussi. Et pourtant, ils ont claqué 42 et 26 points à tous les deux. Ah, c'est monstrueux, mais c'est monstrueux, Jojo Embiid. C'est monstrueux ce qui sort. Non, mais regarde ses stats à 3 points. 6 sur 7 à 3 points, Joel Embiid.
Non mais imagine, en vrai, Joel Embiid, il fait 6 sur 7 à 3 points, mais tout le monde le vénère de ouf. Et 20 points Gallinari, 8 passes Richardson. C'est ça que j'attends, bien joué. Donc là on mène 3-1, on arrive progressivement vers pourquoi pas une fin. Milwaukee est qualifié en mettant un sweep à Orlando, les Lakers sont qualifiés en mettant un sweep à Denver, et les Clippers sont 2-2 contre la Nouvelle-Orléans, 2-2 Golden State Dallas, 2-2 portant de Memphis. Hein. Monstrueux à l'est, à l'ouest, pardon. 2-2 Boston Miami. Donc Toronto mène aussi 3 contre Atlanta, tout comme contre l'Atlanta, putain je me trompe de sport, contre l'Atlanta, enfin les Atlanta Hawks, pardon, je vais y arriver, tandis que moi avec Philly, je mène 3-1 contre Cleveland. Allez, on repart, on sait qu'on est injouable à domicile, on sait qu'on est injouable à domicile, ouais, on va le chercher sur la fin, en prolongation! 13-11 en prolongation avec un Jojo Embiid en 25-9-6. Il est injouable, putain. DeRozan en 23-6-8. Mais wesh! 19-12 aussi pour Gallinari. Alors, après, évidemment, gros stat puisqu'on allait jusqu'en playoff, donc on a joué plus longtemps. Donc, évidemment, voilà, tu vois, t'as 37 minutes, 39 pour DeRozan. Korkmaz met encore 14 points, c'est pas trop mal. Tibull met 12 points. Ah bah, putain. Le jour où Tibull il met 12 points, ça va être son record en carrière, limite. Ce sera un Boston-Philly et. Surprise d'Atalanta. Oh, mais je vais jamais arriver. Les Atlanta Hawks sont allés taper Toronto. Donc, côté S, ça fait Milwaukee-Atlanta et Boston-Philly. Donc, j'aurais pas l'avantage du terrain, malheureusement. Et de l'autre côté, les Clippers finissent finalement par venir à bout de la Nouvelle-Orléans. Golden State pareil pour Dallas, ce qui fait Lakers. Oh putain, ce qui fait Clippers-Golden State. Et de l'autre côté, Portland bat Memphis. Et donc, les Lakers avaient mis un sweep. Lakers-Portland. Donc, en fait, il n'y a aucune surprise. Côté ouest, même si ça a été dur. Et côté est, la seule petite surprise, c'est la victoire en 7 d'Atlanta contre Toronto. Bon, après, le 5 qui bat le 4, c'est quand même pas incroyable. On va donc passer maintenant aux demi-finales de conférence. Et là, j'affronte Boston. Ça rigole absolument plus. Et j'ai plus l'avantage du terrain. Allez, c'est parti. C'est parti. On sait quand même qu'on peut faire des choses. Allez, non, on s'est fait poutrer. Oh là 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 là. Eh, le troisième carton, il fait super mal. Hein. On les défonce à la fin, mais on perd de 2 points. Embiid en 16-10-3. Oula, que 16 points Embiid. Ouh, lolo. Eh, là, ça va faire mal, hein, par contre. Hein. Parce qu'Embiid, il a fait du 30-40 points, là. Shake Milton, il est bien. Ah, c'est Matisse Thybulle, regarde, il est en moins 13 en plus moins là. Côté ouais, Tatum qui nous fait. Il n'y a pas beaucoup de points par joueur finalement. Il n'y a pas un joueur qui claque. Mais on est mené 1-0. Ça c'est pas bon. Milwaukee est mené 1-0 par Atlanta. Lakers Portland déjà 1-1. Et les Clippers mènent 1-0 contre Golden State. Allez, toujours à Boston. Oh là là. Oh là là. Non, on perd sur la fin. Mais c'est pas possible. Mais regarde, on leur met 42-30 dans le deuxième quart et on prend 36-21. Putain, on n'est pas clutch. Oh, Gallinari, 33 points, mais il est malade. 23-8 pour Jojo Embiid. Ouais, mais 5 fautes. T'es chiant, putain. Mais Gallinari, finalement, il est bien fort. Hein, ça fait plaisir. Mais DeRozan, il est en moins 15 encore. Richardson en moins 13. C'est pas possible, ça. Mais Shake Milton? Il met 11 points, 7. Non, mais tu sais que je vais enlever des minutes à Richardson et je vais clairement les donner à Shaq Milton si je joue comme ça. Je rigole même pas, mais c'est ce que je vais. Attends. Ah non, on peut le faire directement sur le match. Donc je vais le faire sur le match. Simuler. Et Atlanta qui mène 2-0 contre Milwaukee, c'est ouf. Et Clippers mène 2-0 et 2-1 pour Portland face aux Lakers. Mais wesh. Donc là, j'ai dit que je le faisais parce que ça me saoule. Ils ont Kemba Walker en suivi quotidien, mais moi gros, putain, j'ai pas Ben Simmons. Imagine si j'avais Ben Simmons, putain, comment je te défoncerais de ouf. Donc Josh Richardson, on va descendre à 28 minutes. Et on va donc en donner 4 de plus à Shake Milton, là, qui a l'air d'être énervé. On va en enlever une à Korkmaz pour la donner à Shake Milton, voilà, comme ça ils auront le même temps de jeu. Allez, on va voir ce que ça donne. On est à domicile, on sait qu'on est très fort à domicile. Mais non, putain, mon père encore sur la fin, c'est chiant. Enfin, bon premier quart, et après c'est dur. 26 points pour DeRozan. Ouais, mais DeRozan, il est en moins 11. Bon, Embiid est en moins 12 cette fois-ci, mais... Chiant. Embiid en 17-17, tu veux lui reprocher quoi? 4 passes. L'autre, il est injouable, il est monstrueux. Non, mais je sens que Shake Milton, il va passer titu, limite. De toute façon, là, j'ai plus rien à perdre. Hein. Je suis chez moi, si je perds le match, je prends un sweep. Hein.
Donc là, ça ferait mal au cul, mais ce serait comme en vrai, sauf que moi je le prends pas au premier tour, je le prends en demi. Milwaukee revient à 2-1, Golden State revient à 2-1, et les Lakers sont à présent menés 3-1, attention. Non mais attends, Richardson, il est pas bon, il est pas bon, il joue pas, c'est tout. Donc on va passer à 22 minutes, voilà, il y a 10 minutes à donner. Et DeRozan, c'est pareil, on va lui en enlever 2, à un moment, t'es pas bon, t'es pas bon. Embiid, tu sais quoi, il va jouer 37 minutes, Embiid. À un moment, le mec joue bien, il joue bien. Korkmaz, on va lui redonner 2. Shake Milton, on va partir sur du 19 minutes. Qui c'est qui méritait d'en avoir? Qui est bon là? Tibulle, non, pas tellement. Il y en a 3, mais Shake Milton, c'est quoi? On tente 22 minutes de Shake Milton. J'ai plus rien à perdre. Et je suis chez moi. Oh là là, oh là là, je me suis fait démonter la gueule. Bon bah voilà. Le coup n'a pas été payant. Et bien voilà, donc je vais aller quand même jusqu'au bout, je vais simuler les playoffs. Et je ferai donc les transferts, tout ça, dans une deuxième vidéo qui sera donc la deuxième partie. Donc j'ai pris un sweep méchant en demi-finale de conf contre Boston. Je rappelle que je n'avais pas Ben Simmons. Oui, c'est une excuse. Tandis que de l'autre côté, et ben voilà, vous l'avez vu, les Clippers de Los Angeles sont champions NBA avec un Kawhi Leonard en 29-8-4, 2 interceptions, mais qui est donc MVP des finales, en plus d'avoir été élu meilleur défenseur. Donc ils battent Milwaukee 4-2 en finale, Boston perd donc en finale 4-2 contre Milwaukee, et Portland avait donc sorti les Lakers. Donc voilà, de toute façon la moitié des joueurs vont partir, hein, j'ai envie de te dire. Donc le bilan de cette saison. Bah c'est que déjà les Clippers sont champions, non on s'en fout. C'est que eh ben déjà je vais en demi. Vu que j'ai pas Ben Simmons, je voulais quand même aller en demi, vu l'équipe que j'ai quand même j'ai quand même des bons joueurs. Je voulais au moins aller en demi. C'est fait. Je me fais. Alors par contre le gros point négatif, c'est que je prends un sweep par Boston, et ça c'est même sans Ben Simmons, c'est pas possible de pas prendre au moins un match. Surtout que j'ai été quasiment injouable à domicile cette saison. J'aurais aimé en prendre au moins un, voire deux. Voilà, bon, donc je prends 4-0, ça c'est monstrueusement pas possible. Après, dans la saison, donc je termine troisième de saison régulière, ça je suis quand même assez content. J'avais un peu peur qu'en changeant beaucoup l'effectif, ça passe pas, finalement c'est bien passé. Maintenant, voilà, donc j'ai terminé en 48-34. On va espérer faire mieux, bien sûr, l'an prochain. On termine donc là-dessus. Je referai dans la prochaine vidéo. Je commencerai donc avec cette fois pas le début de la saison, mais. Merde, je perds mes mots. Avec la draft, tout ça, hein, tous les transferts et tout, même si je vais pas avoir un pic haut. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans la partie 2, j'espère, avec surtout de meilleurs résultats. Ciao et à la prochaine.